Jesus, ouais. Alors en fait, on organise la journée de Noël des féminines. Donc ça concerne les filles qui sont licenciées et non licenciées U7 à U12. Et puis donc c'est un plateau qui concerne surtout le nord de la Lorraine. Et le sud, on fera ça dimanche. Donc voilà, 36 équipes présentes aujourd'hui, presque 200 filles. Et on en attend tout autant au sud dimanche matin. Donc voilà, une belle réussite. Et puis surtout, les filles jouent entre elles, donc c'est super. Voilà. On a l'impression qu'en une année de temps, les choses s'accélèrent. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est vrai que l'année dernière, on l'avait fait sur un seul site. Et puis là, on a été débordé même sur deux sites avec plus de 50 équipes engagées sur Metz aujourd'hui. Donc voilà, et en plus des équipes de club, donc c'est super. Elles sont contentes de jouer entre filles et c'est l'occasion pour elles de profiter d'un beau plateau féminin. Voilà. La relève arrive et bientôt l'été, ces filles elles passeront sur le terrain en herbe. Ben, j'espère oui qu'elles seront encore là et qu'elles ramèneront d'autres copines. Et évidemment l'objectif c'est de constituer des équipes de filles un petit peu partout pour qu'elles puissent jouer plus souvent entre elles. Puisque là elles viennent d'assez loin et du coup on ne peut pas forcément les faire jouer le week-end entre elles, mais l'objectif c'est évidemment de les revoir les week-ends sur les terrains à l'extérieur. Alors, il paraît qu'une partie du succès de la manifestation, il est dû au bonnet de la conseillère technique régionale, c'est vrai? Alors en partie, mais pas que du mien. En fait, c'est aussi dû à toute l'équipe technique mosellane qui est là et qui a également son bonnet. Et voilà, c'est tout à fait dans l'esprit de la journée d'aujourd'hui, c'est voilà, convivialité et plaisir.